Hola, bienvenido al podcast de Pro Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pro Español y a nuestra edición de verano. Este episodio es uno de los que más ha gustado de todos nuestros episodios de este año. Así que te propongo descubrirlo o escucharlo nuevamente. Mi consejo es que escuches el episodio con un lápiz y un papel para que puedas tomar notas de lo más importante y así aprenderlo para progresar en español. Disfruta del episodio y recuerda que nos veremos nuevamente en septiembre. Si no te quieres perder ninguna novedad, puedes suscribirte a la newsletter a través del enlace en la descripción. ¡Nos vemos! Hola a todos, yo soy Josmari y hoy tenemos a una invitada especial en Pro Español. Florence, de las cuentas de Instagram Back to Pack y Avant J'étais Prof, se encontraba en Ecuador junto a su pareja cuando grabamos este episodio y nos va a compartir su experiencia viajando por América Latina, no solo en esta ocasión, sino también en sus viajes precedentes. Y como el objetivo de este episodio es transmitirte lo máximo posible sus vivencias, decidimos hacerlo en francés. Sí, sí, un poco excepcional, pero me parecía que valía la pena. Así que me vas a escuchar hablando francés y comentaré igualmente un poco sobre mi experiencia aprendiendo el idioma. Estaré en tu posición actual. Quiero decir que grabar este episodio fue un placer y terminé queriendo ir a América Latina para hacer un viaje como Florence. Espero que te pase lo mismo a ti y quieras ir a América Latina para descubrir este hermoso continente. Ahora sí, descubre la historia de Florence en este episodio. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenue au podcast de Pro Español. Comme vous l'entendez, c'est un peu spécial parce que je parle en français. C'est le premier épisode où nous allons parler en français car le but sera de connaître un peu plus sur la situation actuelle de l'Amérique latine et aussi connaître un peu l'expérience de Florence qui est notre invitée spéciale aujourd'hui pendant son voyage en Amérique latine. Bienvenue Florence, comment vas-tu? Merci, je suis très contente d'être ici. Merci à toi de m'y avoir invitée. Et donc, comme on en a parlé un petit peu hors micro, je pourrais faire une partie de l'interview en espagnol, mais j'ai un vocabulaire assez limité. Je ne parle même pas des conjugaisons. Et du coup, je me dis que j'ai quand même moyen d'aller plus en profondeur sur les différents sujets si je le fais en français, parce que je me débrouille bien ici, on va y revenir. Mais voilà, de là à faire une interview et à détailler des émotions, des sentiments, des feelings, etc. Je ne suis pas sûre d'avoir tout ce qu'il faut, quoi. Oui, mais justement, je voulais commencer par ça. Et alors, tu me dis que tu as un vocabulaire un peu limité, que tu parles plutôt au présent. Est-ce que ce vocabulaire qui, pour toi, est limité, te permet quand même de communiquer avec les locaux? Alors oui, sachant que c'est mon deuxième long voyage en Amérique du Sud. En fait, la première fois, c'était juste avant le Covid. Malheureusement, on a fini par se faire rapatrier avec mon copain. Mais donc, on était parti plutôt du côté du Chili et de l'Argentine. Et on avait beaucoup, beaucoup voyagé en stop, ce qui fait que tu es un petit peu obligé de parler avec les gens. Et c'était un peu le but aussi pour apprendre. On était parti en tout 4 mois avant le rapatriement. Et je me souviens très bien le premier jour où j'étais arrivée, d'arriver dans la première auberge et de ne pas savoir comment on disait un sac à dos, je me souvenais un lit, je trouvais plus un papier, un crayon, enfin vraiment j'avais rien du tout. Aujourd'hui, là c'est la deuxième fois qu'on se déplace, il y a quand même si pendant 2-3 ans on n'a pas parlé puisqu'on était rentré en France, mais voilà, ça revient quand même beaucoup plus vite. En Équateur, les gens parlent relativement lentement, donc c'est assez facile pour nous.
Et j'ai plus de vocabulaire, mais j'ai du vocabulaire selon ce qui va m'être utile à un instant T. Donc, c'est-à-dire que là, on passe beaucoup de temps dans des auberges. Donc, en gros, on a besoin de dormir, de manger et de se déplacer dans les villes. Donc, j'ai ce vocabulaire-là. Si jamais il fallait parler de philosophie, de politique ou même de musique, tu vois, j'aurais pas du tout le vocabulaire qu'il faut. Mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a un centre d'intérêt, bah, du coup, tu apprends ces nouveaux mots. Mais si tu les réemploies pas, tu les oublies très vite. Donc, il faut beaucoup pratiquer, quoi. Oui, tout à fait. C'est la pratique. Mais en fait, moi, je suis professeure d'espagnol. Donc, bien sûr, j'aimerais bien que mes étudiants parlent très bien l'espagnol, comme les locaux. Mais, par exemple, tu as dit que tu as commencé avec l'Argentine et le Chili. Ce sont les deux pays les plus difficiles, l'un des pays les plus difficiles à comprendre. Parce que les gens parlent très vite. Il y a un vocabulaire très local, finalement. Et en plus, en Argentine, on a des changements de conjugaison. Donc, on utilise le vos au lieu du tu, et pas que, il y a aussi le changement du présent. Oui. Donc, finalement, est-ce que tu as dû passer par l'anglais parfois? Est-ce que le fait de parler l'anglais, ça t'a aidé? Ou est-ce que tu t'es dit, non, on va continuer avec l'espagnol parce que c'est plus simple? Quelle est ton expérience? En fait, ce qui est difficile pour moi, justement, c'est de passer donc du français, parce que je voyage avec mon copain et donc entre nous, on se parle français, à l'anglais quand tu rencontres des voyageurs, à l'espagnol quand tu parles avec des locaux. Donc, ce que j'essaye de faire et que j'essayais déjà de faire lors du premier voyage, c'est de privilégier vraiment l'espagnol pour pas mélanger les deux. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait de l'espagnol quand j'étais au collège. Je crois que j'en ai pas fait au lycée ou alors c'était ma LV3. Enfin, j'en ai très peu fait. J'ai pris italien à la place. Et ensuite, quand je suis arrivée à la fac, j'ai dû remettre l'espagnol en LV2 et l'italien en LV3 parce qu'il n'y avait pas l'inverse dans ma ville. Bref, du coup, j'ai beaucoup mélangé les deux. Et je me rends compte ici que dès que je parle aussi anglais, je me retrouve à faire un espèce d'espagnol-anglais très, très moche. J'ai beaucoup du mal à limiter, on va dire, les différentes cases dans mon esprit. Donc, on essaye vraiment, vraiment de privilégier l'espagnol. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que la première partie de notre voyage il y a quelques années en Argentine, on était restés quand même 2-3 mois. Les gens, effectivement, il n'y a pas le vosotros, qui est la pire conjugaison, je trouve, en espagnol dans mes souvenirs du collège, qui est difficile. Ici, c'est le ustedes, donc c'est la dernière terminaison, la sixième personne, ce qui fait que c'est plus facile. Enfin, quand tu la connais pour un, tu la connais pour deux, donc c'est un petit peu plus simple. Après, ils avaient beaucoup de chuchotements, c'est-à-dire que le double L ou le Y devenait un ch, voilà. Du coup, quand on parlait de la plage, ils nous disaient la placha. Et moi, je pensais qu'il parlait d'une plancha, genre pour cuire de la viande, tu vois. Et on a mis vraiment 2-3 semaines à intégrer ça. Par contre, le fait d'apprendre, enfin de pratiquer vraiment là-bas, parce que je n'ai pas pratiqué l'espagnol, en fait, en dehors des cours. Et en cours, quand tu es plus jeune, tu ne pratiques pas beaucoup, parce que tu es beaucoup dans ta classe, et voilà. Oui. Mais du coup, le fait de commencer à pratiquer là-bas, quand ensuite on est arrivé au Chili, on nous disait « Ouh là là, mais vous avez un accent argentin !» Parce qu'on parlait en faisant « ché, 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 ché. » Parce que vous pensez que tout le monde parlait comme ça. C'est qu'en fait, comme tu l'entends comme ça et que tu es un peu en train d'apprendre, à force, tu fais pareil. Et comme on n'a pas beaucoup d'expérience en espagnol, on a fait comme on pouvait, quoi. On a vraiment imité, c'est ça. On a vraiment imité les gens, en fait. Ici, c'est plus simple. Ils parlent plus... on avait été en Colombie déjà il y a 5 ans et je trouve qu'ici, ça ressemble un petit peu plus à l'espagnol de la Colombie. Oui. Mais c'est encore différent de l'espagnol d'Espagne parce qu'il y a un truc dont je me souviens très bien en cours. Au collège, on me disait les Espagnols, ils n'utilisent pas de mots anglais. Et on nous avait dit qu'un sandwich, ça se disait bocadillo. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et en fait, ici, ils disent sandwiches. On utilise beaucoup des mots en anglais. Hein. Surtout, surtout avec l'influence des États-Unis, il y a une très forte influence. Et, par exemple, en Espagne, on va dire ordenador. Et en Amérique, on va dire computador ou computadora. Oui. Niveau du vocabulaire. Après, finalement, c'est une question de vocabulaire. Donc, si tu connais un peu l'anglais, je pense que ça va être plus facile à comprendre en Amérique latine. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période, surtout dans le XXe siècle, non, avec la dictature, que tous les mots en anglais se traduisaient en Espagne. Maintenant, il y a le bocadillo et il y a le sandwich. En fait, ils sont différents. Le bocadillo, c'est avec une baguette et le sandwich, c'est avec du pain de mie. Ah, en Espagne.
Ok, mais, d'accord. En Amérique latine, c'est que du sandwich. Oui, voilà. Mais c'est, et pourtant, ça, enfin, là, on en a pris un hier et ça ressemblait à une baguette. Genre, c'était pas du tout du pain de mie, tu vois. Donc, oui, mais marrant. Parce qu'en Amérique latine, c'est sandwich. C'est que sandwich. En Espagne, voilà, il y a les deux mots maintenant. Parce qu'avant, il n'y avait que les baguettes, finalement. Donc, les produits un peu américains se sont introduits après la dictature. Ouais. Et du coup, on a commencé à introduire aussi des mots anglais. Enfin, c'est voilà, c'est la magie de l'espagnol. Là, ça change beaucoup. Mais alors, on va revenir à certains points. Mais avant de continuer, est-ce que tu peux un peu te présenter pourquoi tu as décidé de commencer à voyager en Amérique latine il y a 5 ans? En Colombie, etc. Alors, moi, je voulais voyager depuis que j'étais toute petite. Et avec mes parents, on bougeait beaucoup, mais principalement en France ou jusqu'à l'Espagne. Moi, je vis en Bretagne, donc plutôt sur la côte. Et j'adorais ça. J'ai vraiment un très, très bon souvenir de ça. Et puis après, c'est en arrivant au lycée, en prenant une première, deuxième, troisième langue étrangère, j'ai commencé à faire des voyages hors France et à me rendre compte que quand tu parlais un petit peu une langue et que tu allais rencontrer d'autres gens, bah, c'était beaucoup plus facile pour échanger et donc pour apprendre des choses, et ton voyage en devient beaucoup plus riche. Et j'ai trouvé ça génial, donc j'ai fait un premier échange en Espagne, un deuxième échange en Italie, après j'ai fait mon stage de fin d'études en Angleterre, et je m'étais toujours dit, ben, quand j'aurai de l'argent, donc quand j'aurai un travail, quoi, un vrai travail, je veux dire pas les jobs étudiants qui payent que ton loyer, genre un vrai travail où tu peux mettre de l'argent de côté, j'aimerais bien voyager loin. Et en fait, avec mon copain, donc on a à peu près le même âge, on a 30 ans tous les deux, donc on a commencé à travailler à peu près en même temps tous les deux, on a donc eu des économies aussi en même temps tous les deux, et on s'est dit, ben tiens, est-ce qu'on partirait pas un an faire un grand voyage? Et donc c'était la première fois qu'on s'est posé cette question-là, ça devait être en 2016-2017, et à cette époque-là, c'était beaucoup la mode des gens qui faisaient des tours du monde, et en fait qui partaient un an. Mais nous, ce qui nous gênait dans cette idée-là, c'est que tu peux pas... Enfin, nous, on voyage assez lentement. Un slow travel. Voilà, on n'aime pas trop se sentir pressé. Et du coup, on se disait, bah, en fait, tu peux pas faire un tour du monde en un an. Tu peux déjà à peine faire le tour d'un continent. Donc, on s'est dit, bon, on va s'axer sur un continent. Et on savait qu'en Amérique du Sud, il y avait énormément de randonnées et de très, très beaux paysages et aussi beaucoup de montagnes, chose que nous, en Bretagne, on n'a pas beaucoup. Donc, on s'est dit que ça pouvait être très intéressant du fait qu'on parle quand même un peu espagnol. Enfin, à l'époque, la première fois qu'on est parti, pas trop, on avait des souvenirs de l'école, mais bon, ça faisait un peu loin. Mais voilà, c'est l'avantage, c'est que ça ressemble quand même pas mal au français. Donc, ça revient vite dès que tu pratiques. C'est, bon, c'est assez facile quand même de passer d'une langue à l'autre. Désolée, je t'interromps. Est-ce que tu as rencontré des gens qui parlaient français en Colombie, par exemple, lors de ton premier voyage? Alors, Colombie, j'ai pas de souvenir d'avoir fait des rencontres de Français parce que, donc je t'expliquerai après, mais notre voyage avait été écourté puisqu'on était censé partir un an et mon travail au dernier moment a refusé que je parte. Donc en fait, on est parti que 3 semaines, on a dû rentrer très vite. Par contre, la deuxième fois, on est parti plus longtemps et là, on a rencontré des Français, dont certains qui avaient pris allemand comme langue étrangère à l'école. Et qui du coup commençaient par l'Équateur ou la Colombie pour apprendre avec des personnes qui parlent un peu plus lentement et avec moins de transformation, on va dire, de la langue, et qui finalement, au bout de 1 ou 2 mois, en fait, parlaient tout à fait bien pour se débrouiller, pour voilà, se diriger, aller faire des attractions, acheter à manger, réserver une chambre, etc. Donc oui, il y en a qui parlent français et qui apprennent un peu sur place l'espagnol. J'ai rencontré personne qui ne parlait vraiment pas du tout espagnol et qui ne faisait pas du tout l'effort d'apprendre. Enfin, souvent, je trouve que, comme c'est assez transparent avec le français, les gens essayent quand même assez facilement de... Bah, au moins le bonjour, le merci, tu vois, au moins pour passer ta commande quand, je sais pas, tu vas acheter, je sais pas, un poulet avec des frites. Bon, bah, les gens utilisent le vrai mot, ils n'utilisent pas le chicken, tu vois, ils font quand même cet effort-là. Donc, après, je pense qu'il y a... Quand même. Il y a une certaine influence... Enfin, il y a certains mots en espagnol qu'on utilise en français aussi. Par exemple, hola, ça, je l'entends tout le temps. Hola, qué tal, même. Ou adiós. Ouais. Non, c'est des mots qu'on n'est pas étranger complètement à la langue, finalement. Non, et puis même dans les anecdotes rigolotes, quand on était en Argentine, entre l'Argentine et le Chili, tu dois passer des contrôles phytosanitaires. Et il s'avère qu'en espagnol, bah, c'est phytosanitario, quoi. Enfin, je veux dire, ça se ressemble énormément. Et on était arrivés vivre quelques jours dans une famille argentine, et donc on leur explique comment on a passé la frontière, puis on leur dit en espagnol, bah voilà, on a passé le contrôle phytosanitaire. Et puis ils s'arrêtent, ils nous regardent et ils nous disent, waouh, vous savez dire phytosanitaire en espagnol? Pour eux, c'était improbable. Et du coup, on leur explique, mais en fait,
C'est comme en français. Et à côté de ça, il y a des mots qui vont être pour eux très simples, mais qui ne ressemblent pas du tout au français. Et oui. Du coup, ça ne nous vient pas à l'idée, tu vois. Mais ce côté-là est assez rigolo parce que tu peux donner l'impression que tu parles très bien parce qu'il y a énormément de similitudes. Tout à fait. Ça m'est arrivé une fois avec le mot onomatopée. Je l'ai dit comme ça. Oui, mais ça c'est une onomatopée. Et la personne, elle m'a dit « Waouh, tu parles mieux français que moi et toi. » Et moi, j'étais « Ok, j'ai rien dit, j'avoue. J'ai pris le crédit, mais tout à fait, ça arrive. » Par contre, il y a des mots qui sont ou des mots qui sont en français mais sont légèrement différents et qu'un francophone va modifier un petit peu. Par exemple, le mot « facile ». Souvent, les étudiants, au lieu de dire « facile », qui c'est le mot en espagnol, ils rajoutent un « o » ou un « a ». Du coup, ils disent « facilo oui. ».« Ah, c'est facilo !»« Es facilo !» Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de mots quand même qui ressemblent au français avec souvent « a »,« o » au masculin, « a » au féminin, des fois, on tente un peu notre chance. On prend un mot français, on se dit « allez, on rajoute un truc au bout, on voit si ça passe ». Et j'ai fait l'erreur l'autre jour, et pour le coup, ça a fait beaucoup rire à la personne avec qui j'ai fait cette erreur. On est allé à la salle d'escalade, et nous, on fait du bloc, c'est-à-dire que tu grimpes sans corde parce que tu ne grimpes pas haut, en fait. Tu as des tapis en dessous. Et quand tu grimpes avec une corde, je ne trouvais plus le mot corde, et je voulais essayer de t'expliquer à la personne qui me vendait mes tickets que je voulais grimper sans corde. Et en fait, je me disais, bon, comment on dit corde? Et puis, je sais pas, je me dis, bah, en anglais, c'est rope. Du coup, je vais tenter ropa. Et du coup, j'étais en train de lui dire, bah, moi, je veux vraiment monter sin ropa, sin ropa. Et il était mort de rire. Et il y a une Française qui arrive et qui me dit, là, tu es en train de dire que tu as envie de monter en vêtements, donc toute nue. Ce que tu veux dire, c'est cuerda, comme corde, mais avec un A. Oui. Du coup, voilà, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça ne fonctionne pas tout le temps, non, mais parfois, ça peut créer des situations comme celle-là qui sont rigolotes. C'est ça. Et les gens sont très gentils. On s'était fait déjà la réflexion la première fois en Argentine où on était très gênés. On disait bah, on est désolé, on parle que au présent, on n'a pas beaucoup de mots. Et les gens, ils s'arrêtaient, ils nous disaient mais on s'en fiche, vous nous comprenez, on vous comprend, c'est le principal. Et ici en Équateur, c'est pareil. Des fois, il y a des gens qui nous disent waouh, vous parlez super bien. Alors que si tu me mettais en cours, je pense que je fais tellement d'erreurs de grammaire et de conjugaison, j'aurais une très mauvaise note en France. Mais oui. C'est vrai que je me débrouille très bien ici. Enfin, ça fait un mois et demi qu'on est ici. On n'a jamais eu le moindre problème pour expliquer quoi que ce soit. Enfin, au pire, tu utilises un peu tes mains pour mimer, tu vois. Oui, mais non, ça, c'est ça, ça se fait très bien. Ça, c'est très important ce que tu dis parce que plusieurs personnes, beaucoup d'étudiants, ils se bloquent parce qu'ils ont commencé à apprendre l'espagnol tout seul avec des vidéos. Ils maîtrisent la grammaire, ils maîtrisent les vocabulaires, mais au moment de parler, ils se bloquent parce qu'ils disent « Oh là là, je ne sais plus le passé simple de tel verbe, il va dire quoi, je ne dis rien. » Et non, finalement, le but, même si je veux qu'ils parlent bien, le but, c'est de communiquer. Non, c'est pour ça c'est qu'on apprend. Même les enfants, ils se trompent. Même les natifs, on se trompe en français, on se trompe en espagnol. Ah bah oui. C'est très bien ce que tu dis pour justement que les gens qui nous écoutent sachent, oui, il faut essayer de bien parler, mais personne ne va mourir si on a utilisé le passé simple au lieu du passé composé. Okay. C'est ça, à part notre prof d'espagnol du collège, peut-être. Voilà. Donc, très bien. Donc, c'est très intéressant au niveau de l'expérience et de l'accessibilité des gens, parce que je pense que c'est une richesse de l'Amérique latine. C'est un peu l'humilité des gens. Hein, les gens, ils sont assez humains. Et ce n'est pas juste parce que ça fait partie de ma culture. Je trouve vraiment que les gens sont assez humains. Et dès qu'on fait des efforts, ils vont aussi faire des efforts. Oui. Donc, c'est aussi assez accueillant. Alors, donc, si on continue un peu avec ton aventure, tu as commencé il y a 5 ans par la Colombie. Ensuite, c'était le Chili et l'Argentine. Oui. Et maintenant, comment est la situation actuelle en 2022 post-Covid? Alors, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup changé dans la manière de voyager. Là, nous, ça fait donc presque un mois et demi qu'on est en Équateur. On regardait justement hier quelle était la part du tourisme dans l'économie équatorienne. C'est de l'ordre de 1 ou 2%, donc c'est relativement peu. Mais on s'attendait à avoir beaucoup plus de voyageurs que ça. Et en fait, il nous arrive de passer des semaines entières dans quand même des grandes villes, même à Quito pendant plusieurs jours d'affilée,
où on ne croise pas un seul touriste qui ait l'air, je veux dire, d'un touriste européen. Il y a peut-être des Colombiens en voyage en Équateur. On ne reconnaît pas assez bien les différences entre les gens, ça pour le savoir. Tu vois, le tourisme local, on ne sait pas. Mais en tout cas, le tourisme international, on n'entend personne parler, je sais pas, anglais, allemand, français dans les rues, ou très, très peu. Et même dans les auberges, là, donc, on est à Baños, qui est une ville... réputé comme étant touristique. Il y a des gens qui appellent ça Gringoland. Donc, je pensais qu'il y aurait énormément de touristes. On s'est dit, bon, allez, on va peut-être rencontrer un peu de gens, parce que mine de rien, ça fait du bien des fois de parler français. En fait, c'est plus simple aussi. Enfin, pour nous, en tout cas, des fois, c'est reposant. Du coup, on s'est mis dans un hôtel qui s'appelle Party Hostel. On s'est dit, bon, il y aura tous les touristes du coin avec nous qui sont là pour boire une bière et voilà, faire une petite pause dans le voyage. Et en fait, il y a, je ne sais pas, il doit y avoir 15 chambres. On est tout seul. Il est vide, l'hôtel est vide. Et à Quito, c'est pareil, il n'y avait pas grand monde alors que c'est la capitale. Oui. À Mindo, qui est un petit peu plus haut, il y avait de l'observation d'oiseaux, etc. Là, il y avait un peu plus de monde. Mais voilà, c'est pas... il n'y a pas autant de monde que ce qu'il y avait quand on pouvait être en Argentine ou au Chili par le passé. Après, voilà, que c'est aussi un pays qui, du coup, a l'air de moins vivre du tourisme. Globalement, le gros sujet, bah, c'est l'insécurité. Quito, bah, c'est très ambivalent. En fait, tu as le vieux centre, le centre historique, et un centre plus moderne. Bon, je fais ça très rapide. Hein. En gros, il y a autant d'habitants qu'à Paris, donc c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais concrètement, voilà, c'est un peu ce qu'on a vu là, sur les 2-3 semaines là-bas. Dans le centre historique, tu as beaucoup la police, même en journée, et ils vont venir te voir très gentils, te demandent si c'est la première fois que vous êtes là, depuis combien de temps vous êtes là, bienvenue, toujours très gentils. Mais après, ils vont toujours te dire, ben, quand vous rentrez, évitez de passer par cette rue, à partir de telle heure, ce serait bien que vous soyez chez vous, mettez votre sac plutôt devant que dans votre dos. Enfin, il y a toujours un peu ce stress-là, beaucoup d'histoires de vol, sans violence, pour le moment on n'entend pas d'histoires de violence, mais beaucoup d'histoires de vol. Et après, dans le nouveau centre, qui est beaucoup plus moderne, là, tu as toutes les personnes en costume, les gens qui mangent au restaurant, les femmes en talons, des grandes boutiques quasiment occidentales, hein, genre des H&M et tout ça, alors que dans le centre plus ancien, c'est plutôt des petits vendeurs sur les coins de rue qui te vendent des fruits. Enfin, c'est vraiment super différent. Nous, il nous est arrivé une seule mésaventure, mais alors, c'est 100% de notre faute. On dit toujours qu'en voyage, mais même en France, autour d'une grande ville, il faut éviter de sortir... le soir dans une ruelle sombre, pas éclairée, enfin, voilà quoi, là j'enfonce un peu une porte ouverte. Et en fait, un soir on rentrait de l'escalade à Quito, on était fatigués de notre séance d'escalade, on voulait rentrer vite, on a eu la flemme de monter prendre le bus, on s'est retrouvés dans une rue noire tout seul, et ça n'a pas raté, il y a 3 mecs qui étaient là qui nous ont demandé notre téléphone. Du coup, mon copain a donné le sien, moi j'ai menti, mais c'était pas des méchants, tu vois. Après ils nous ont demandé notre argent, mon copain a dit j'en ai pas, ils ont fait ah ok. Donc tu vois, c'était, on savait pas trop comment réagir parce que tu connais pas les gens. Oui. Et voilà, après ils sont partis, mais il y a tout de suite des Équatoriens qui se sont arrêtés en voiture, nous demandaient est-ce que ça va bien, est-ce que vous avez vos papiers, qui nous ont escortés jusqu'à une rue avec des lumières, qui nous ont dit quel bus prendre, dans quelle direction. Enfin, trop gentils. En fait, les gens ici sont trop gentils. Mais c'est comme partout dans le monde, tu te balades pas tout seul dans une rue noire le soir. Enfin. C'est super logique, on l'avait jamais fait, mais là on n'était pas du tout concentrés. Il y avait un petit chien qui nous suivait, on était en train de rigoler avec lui, enfin, on regardait pas du tout où on allait. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, c'est rien de grave, entre guillemets. J'ai entendu plus de mal en revanche sur la côte, la deuxième grande ville qui s'appelle Guayaquil. Oui. Là j'entends plus de problèmes d'insécurité, d'explosion, de vol avec violence. Oui. Du coup, nous, je pense qu'on ne va pas forcément y aller. C'est surtout un point de départ pour aller sur les îles Galapagos, mais nous, on n'y va pas. Donc, on n'a pas vraiment d'intérêt à s'arrêter dans cette ville-là. Du coup, elle ne nous fait pas spécialement envie, comme on entend beaucoup de négatifs et on n'entend personne qui a l'air transcendé par la beauté de la ville. Donc, oui. Je pense que voilà, on ira ailleurs sur la côte. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de voyageurs et que le fait qu'il y ait le coronavirus, ça a quand même l'air d'avoir beaucoup appauvri les pays. Il y a énormément de restaurants, d'hôtels, etc., où quand on regarde sur Booking, TripAdvisor, c'est marqué « fermé définitivement », alors que c'est des choses qui avaient l'air d'être géniales, de vraiment bien marcher, plein de super bons commentaires, mais tu sens que, économiquement, ça a été compliqué. Mm-hmm. Et on nous a dit qu'il y avait eu aussi un changement de président, apparemment, en 2019, qui... Mm-hmm. Alors, je répète ce que j'ai entendu, je n'ai pas fait de recherche, hein, donc à prendre avec des pincettes, mais qui aurait apparemment moins de poigne, on va dire, que celui d'avant, qui serait moins strict. Ce qui fait qu'il y a moins de
punition, entre guillemets, pour les personnes qui commettent des méfaits, on va dire. Et du coup, les gens se permettent un petit peu davantage, voilà, de voler, de prendre, de tricher, etc., parce que ben, c'est moins sanctionné qu'avant. Et il y a quelques Équatoriens qui nous ont dit que c'était pas que le Covid, mais que c'était aussi un petit peu lié à ça. Après, voilà, en dehors des recommandations que tu donnes partout, tu vois, je ne traverserai pas certains quartiers autour de Paris ou de Marseille toute seule la nuit, tout comme ben, on ne devrait pas le faire ici. Mais ce n'est pas propre à l'Amérique du Sud. C'est pas comme ce qu'on imagine, tu vois, quand on entend parler des cartels, de la drogue et tout. C'est pas comme ça. En vrai, c'est... Voilà, y a, les gens ici, ils sont très, très, très gentils. En Argentine et au Chili, on n'a fait que du stop dans toute la partie sud pendant 3-4 mois. Il ne nous est jamais rien arrivé, voire mieux que ça, on n'a jamais eu à attendre pour faire du stop. Enfin, des fois, tu descends à peine d'une voiture, tu as une autre qui vient te chercher. Il est presque midi, si vous voulez, vous pouvez rester manger à la maison. On nous a accueillis aussi dans les maisons des gens. Vraiment, on n'a eu que de très, très belles expériences. Tu vois. Alors, on nous a dit que dans les pays où il fait plus chaud, passer la Bolivie, le Pérou, tout ce qui est stop, qui mine de rien, est gratuit pour nous et n'est pas spécialement connu ni apprécié, ce que je peux comprendre parce que les salaires sont aussi beaucoup plus bas, donc c'est un peu abusé. Nous, Européens, on a quand même de l'argent pour voyager, tu vois. Mais du coup, tu n'as pas la même expérience, je trouve, quand tu partages avec beaucoup de temps en faisant du stop que quand tu payes un bus et que tu te retrouves, on se retrouve côte à côte, on parle en français, tu vois. Donc c'est un petit peu différent, tu n'as pas la même rencontre avec la population. Mais c'est vrai que dès qu'on a dû aller, demander de l'aide pour... activer une carte SIM, tu vas dans un marché, les fruits, les légumes ici, ils ressemblent à des choses qu'on n'a jamais vues. On ne sait pas ce que c'est, comment ça s'appelle, est-ce que c'est un fruit ou un légume, est-ce que ça se mange ou pas. Enfin, du coup, tu demandes, ils sont trop contents de t'expliquer, de te faire goûter. Donc non, vraiment, c'est très positif. Et c'est vrai que la gentillesse des gens fait partie des raisons pour lesquelles ça fait 3 fois qu'on revient, tu vois. On n'est pas allé ailleurs pour l'instant. On est vraiment bien ici, quoi. Oui, non, ça me fait plaisir de t'entendre, pas les côtés négatifs du vol, mais ça confirme une idée que j'ai, que c'est un continent de contrastes. Tu peux trouver une humanité, une gentillesse qui manque beaucoup ailleurs, mais aussi tu peux te retrouver dans une ruelle toute seule, dans les noirs, et avoir des mauvaises expériences comme un vol. Je pense que... voilà, même en journée, tu peux te faire voler ton portable si tu pars par téléphone. Ah oui, oui. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau de la sécurité, surtout dans comme partout, même en France, et dans certains quartiers, dans certaines villes. Mais je suis contente d'entendre ça. Je suis contente aussi d'entendre qu'il y a la présence de la police et qu'ils viennent accueillir d'une certaine manière ou donner des conseils aux touristes. Et pour qu'ils aient une bonne expérience. Donc, c'est très bien. Et là, tu m'as dit que vous avez eu pas mal d'expérience en faisant du stop, finalement. Comment ça s'est passé pour communiquer avec les chauffeurs? Alors, les premières fois, c'était très basique. Les chauffeurs nous prenaient dans leur camion, parce que c'est beaucoup, beaucoup de camionneurs en Argentine et un petit peu au Chili. Et eux, ils ont des trajets. Il faut savoir que l'Argentine, ça fait quasiment 6 fois la taille de la France. C'est immense. Donc, des fois, on partait, parce qu'il y a la Pampa un peu au milieu où il n'y a pas grand-chose à visiter, quoi. C'est joli, mais c'est très plat, très vide. Oui. Et parfois, tu pars pour un trajet de 1000 km d'un coup. Et du coup, nous, on leur disait, en fait, là, c'est comme si on avait traversé notre pays, la France, mais on ne s'en est pas rendu compte parce que les gens font vraiment l'effort. Les premières fois, en gros, on savait dire bonjour, je m'appelle, j'ai tel âge, je fais tel métier. C'est tout. Et du coup, eux, ils essayaient d'utiliser, c'est ce qu'on avait beaucoup apprécié en Argentine, ils essayaient d'utiliser des mots simples ou des synonymes. Donc, si on n'arrivait pas à comprendre un mot, ils reprenaient la version un peu enfant ou bébé de ce mot-là. Ils essayaient de ne pas du tout utiliser leur langage, spécialisé ou un de... peu... Ouais, tu sais, des fois, selon... nous, par exemple, en Bretagne, je sais que des fois, on utilise des mots que le reste de la France ne comprend pas, mais quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas breton, on fait attention à ça, tu vois. Utiliser vraiment des mots de la langue qui sont dans le dictionnaire, on va dire. Oui. Donc, ils faisaient très, très attention à ça, de parler lentement, de reformuler, d'utiliser beaucoup de verbes au présent pour qu'on les comprenne, etc. Ce qui fait que, à force de les entendre, et de s'entraîner, chauffeur après chauffeur, on devenait un petit peu meilleur, jusqu'à réussir à parler de notre contrôle phytosanitaire, tu vois, au bout de 3 mois. Mais donc oui, c'était de plus en plus simple. Et après,
ce qui était très intéressant, c'est qu'il se posait beaucoup de vraies questions sur la France. C'est-à-dire que tu es dans le camion avec le camionneur, lui a envie de passer le temps parce qu'il y en a pour des heures et des heures, mais ils font pas du ce qu'on appelle le small talk. Genre, il va pas te parler de la météo. Il va te demander à quel âge c'est la retraite chez vous. Est-ce que les hommes et les femmes sont payés de la même façon? Ils vont te poser des vraies questions. D'accord. Et du coup, il y a des différences culturelles qui sont vraiment amusantes. Nous, en France, tu as dû remarquer qu'on parle pas beaucoup d'argent. C'est très rare de rencontrer quelqu'un et au bout de 10 minutes, lui demander tu gagnes combien. Ça se fait pas trop. Alors que chez nous. Voilà. Nous, au bout de 2-3 questions, ils te demandent ton âge, d'où tu viens, tu fais quoi, tu gagnes combien. Et nous, la première fois, on était choqués. On dit, mais vous, si on vous pose la question, vous allez répondre. Il fait, ah bah oui, moi, je gagne tant. Du coup, on leur dit. Puis on leur dit, bah vous savez, en France, ça se fait pas. Et le monsieur qui nous a pris en stop, il nous répond, bah du coup, comment vous faites pour savoir si dans une entreprise, une femme est payée comme un homme? Bah, justement. C'est ça, le problème. Donc, c'était très intéressant, en fait, de savoir ça. Donc, il y a des sujets qui sont tabous dans certains pays, pas dans d'autres. Oui. À l'inverse, peut-être qu'il y a des sujets qui sont très libres chez nous et qui sont tabous ici, mais on s'en est pas rendu compte. On n'a pas eu l'impression de dire de bêtises, en tout cas. Bah, donc, ça, c'est bien. tu le verras dans leur tête. Ils l'ont pas montré. Oui. Non, mais oui, tout à fait. C'est ce que je me dis. C'est vrai. Mais petit à petit, voilà. Oui, ça se développe, tu apprends... Non, tout à fait. Hein. Finalement, c'est comme les enfants. Hein. C'est l'apprentissage naturel. Tu apprends de nouveaux mots chaque jour. Tu apprends de nouvelles conjugaisons. Enfin, c'est ça l'apprentissage. Et surtout sur place. Après, peut-être pour certaines personnes, c'est trop lent. Hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent aller plus vite parce qu'ils ont tellement d'idées qu'ils veulent communiquer sur la philosophie ou l'astronomie. Donc, à ce moment-là, oui, il faut se former un peu en avance. Il faut un peu de vocabulaire, mais finalement, enfin, avec des mots simples. Tu sais, comme dans toutes les langues, finalement, un natif qui a fait une carrière universitaire utilise 2000 mots par jour, dans son quotidien, même pas par jour. Donc finalement, avec 50 verbes des bases, tu peux avoir une très bonne communication. C'est ça. Et puis même, tu vois, là, tu parlais par exemple d'astrologie ou d'astronomie. En français, ce n'est pas du tout un domaine qui m'intéresse. Donc, je n'ai pas de vocabulaire là-dessus non plus. Donc, même si je voulais me passionner de ça en français, bah, j'aurais à l'apprendre de la même façon que j'aurais à l'apprendre en espagnol. Là, des fois, on rencontre des gens. On avait rencontré au Chili, on avait été pris en stop par un monsieur dont le métier était d'être professeur de pêche à la mouche. Et du coup, il nous parlait de pêche. Et... bah, y a plein de mots qu'on a fini par comprendre parce qu'il nous l'expliquait très bien, que du coup, on connaît sûrement en espagnol. Si on nous le disait, on saurait de quoi ça parle, mais qu'on ne saurait pas forcément trouver en français. Et quand c'est ta passion, admettons, tu es passionné de pêche à la mouche en français, tu vois. Si c'est ta passion, ça ne te dérange pas d'apprendre ces mots-là en espagnol si tu veux en parler avec quelqu'un. Enfin, nous, on adore la nourriture. Ça ne nous dérange pas du tout d'apprendre tous les noms des choses qui se mangent pour savoir quoi commander. C'est ça. Non, donc voilà. Après, quand c'est ta passion, souvent, ce n'est pas un problème. Et souvent, plus la langue est spécialisée, plus ça se ressemble. Non, parce que finalement, c'est la même racine. C'est du latin, c'est du grec. Donc finalement, c'est comme phytosanitaire. Plus c'est spécialisé, exactement. Plus ça se ressemble. Alors, pour finir, parce que on a déjà 30 minutes, et j'adore la conversation, mais normalement, c'est un peu plus court. Et quelle recommandation ou quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite voyager en Amérique latine? Peut-être une recommandation au niveau de la langue et une recommandation générale. Alors, au niveau de la langue, je dirais Alors, il y a deux types de personnes. Les personnes qui parlent déjà un peu espagnol, même si c'est très peu, mais qui ont au moins eu les bases au moins une fois dans leur vie, même si c'est à 10 ans. Et il y a les gens qui ne parlent pas du tout. Celles et ceux qui ne parlent pas du tout, si c'est pour un voyage long, genre si c'est juste 2 semaines et que tu restes dans les hôtels, etc., les zones touristiques parlent anglais. Mais si tu veux aller plus au contact de la population, rester plus longtemps et te sentir un petit peu comme si tu faisais partie de ce pays-là et donc apprendre davantage, je recommanderais d'apprendre les bases, ne serait-ce que pour se loger, se diriger dans une ville, tu vois, tout ce qui est droite, gauche, je ne sais pas les mots, tu vois, voiture, bus, etc., savoir se commander à manger, enfin vraiment la base de la base, parce qu'après, quand tu commences à te rendre compte que ça ressemble beaucoup au français, ça finit par venir, et de surtout pas s'embêter, c'est pas très bien pour les profs peut-être aussi, mais pas s'embêter avec la grammaire, la conjugaison et tout, et ça c'est valable pour les deux types de personnes, même ceux qui parlent déjà, juste parler en fait, parce que la philosophie c'est pas du tout la même qu'en France.
Il n'y a personne qui va t'attendre sur un groupe Facebook pour dire « Ah, tu as fait une faute à tel endroit », tu vois. Ici, c'est pas comme ça. Donc, il n'y a pas de honte à avoir à mal parler. Et nous, ça fait, je sais pas, en tout, ça fait plus de 6 mois qu'on passe en Amérique du Sud. On parle toujours pas très bien, mais on parle très bien pour les gens. On parle juste pas très bien pour avoir des bonnes notes. Mais c'est deux choses différentes. Et une langue, à la base, ça sert à communiquer. Et si on réussit à communiquer, je vois pas où est le problème. Et apparemment, ici, les gens ne voient pas de problème non plus. Donc, moi, je recommanderais ça, avoir un petit peu de base. Et parce que quand même, voilà, si on veut y passer du temps, c'est important pour communiquer avec les gens et apprendre des choses, et c'est plus riche. Mais pas se prendre la tête à faire des tableaux de conjugaison avant de partir et du coup être stressé de ne pas se rappeler comment on conjugue à telle personne, etc. C'est pas l'essentiel. Par contre, si ça nous intéresse et qu'on veut progresser, oui, il n'y a pas de souci, on peut très bien. Enfin, ici, c'est comme partout, il y a des bibliothèques, il y a Internet, voilà, on prend un crayon, un papier, on apprend nos conjugaisons. Si je voulais, je pourrais le faire, tu vois. Mais la preuve que ce n'est pas essentiel pour se débrouiller. Après, pour le voyage en lui-même, je dirais, si c'est sur un voyage au long cours, comme là, nous, on fait, on est parti pour entre 1 et 2 ans, peut-être préparer le départ un peu mieux que nous, on l'a fait. Nous, on est parti très vite parce que, comme ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait des longs voyages, on s'est dit, on verra sur place. Mais en fait, comme on n'était pas du tout prêt, qu'on n'a pas du tout regardé à quoi ressemblait le pays, là, on réalise qu'on est arrivé, c'est la saison des pluies. On n'avait pas du tout regardé les saisons. D'habitude, tu vois, on regarde toutes ces choses-là et en fait, on se dit, d'habitude, ça se passe bien, on ne se pose pas de questions. On s'en est peut-être pas assez posé. Donc, peut-être regarder un peu le type d'itinéraire qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a des liaisons, que ce soit en bus, en avion, pour ceux qui préfèrent voyager en avion, qui se font ou qui ne se font pas? Se tenir un petit peu au courant s'il y a des grèves, etc. Mais comme en France, tu vois, pas prévoir un déplacement un jour de grève nationale, enfin, des choses bêtes, mais dont on se posait plus trop la question à force de l'habitude et en fait, qui devraient rester quand même présentes, je pense, à l'esprit. Donc, bien s'organiser pour ça et pour tous les types de climats, parce que... Que ce soit ici en Équateur, mais c'était pareil en Argentine, au Chili, et ça a l'air pareil, Pérou, Bolivie. Globalement, il fait très froid quand tu es en altitude. Or, il y a les Andes qui traversent ces différents pays. Il peut faire très chaud quand tu es sur la côte. Il peut faire très humide quand tu es dans la forêt. Il y a vraiment tout type de climat. Donc, avoir un sac pas trop lourd pour les personnes qui voyagent comme nous en sac à dos, pas trop lourd pour pouvoir le porter quand même, mais avec des vêtements pour toutes circonstances, on va dire. Tout à fait. Oui, des vêtements polyvalents, on va dire ça. C'est ça, pour être confortable et pas se sentir bloqué, pas se dire « Ah, il pleut, je sors pas » ou « Ah, il fait trop froid, on ne peut pas faire telle randonnée » parce que c'est dommage, on se prive de beaucoup de choses. Donc voilà, être bien équipé. Après, il y a des boutiques ici, si vous oubliez quelque chose. Nous, on avait oublié des trucs, on a pu racheter ici. C'est pas si différent finalement que des pays européens, en fait. Tout à fait. Après, si on est dans l'Amazonie, c'est peut-être un peu plus difficile. Voilà, mais dans les grandes villes, on va finalement trouver des médicaments, on va trouver des vêtements. Donc, c'est ça que je disais. L'Amérique latine n'est pas seulement un continent des contrastes au niveau des gens, mais aussi au niveau des climats, au niveau des paysages, c'est un grand continent. Donc, on peut tout avoir. C'est immense. Dans un seul pays. Merci beaucoup, Florence, pour tous les conseils. Ouais. Plaisir. C'était un plaisir, finalement, presque 40 minutes, j'ai prévu vivant. Ça me donne envie de partir moi aussi. Donc, pour toutes les personnes. Donc d'ici 2 ans, sûrement, on va se rencontrer. Donc, toi, tu vas faire l'Équateur, si j'ai bien compris, le Pérou et la Bolivie. C'est ça, et l'objectif, c'est de réarriver au nord de l'Argentine, là où pour nous, ça s'était arrêté à cause du confinement. Et du coup, on aimerait bien, terminer la boucle. Et aussi parce qu'on avait vécu dans des familles qui étaient incroyables en Argentine. On aimerait bien retourner les voir. Donc, c'est très bien. Voilà. Comment tu as rencontré les familles, d'ailleurs? Alors, ça dépend. Certaines, en fait, on a vécu chez plusieurs familles pendant parfois même une dizaine de jours. Il y en a même chez qui on a fêté Noël, où on se sentait vraiment... c'était le côté vraiment très argentin. Tu rencontres des gens, au bout de 10 minutes, tu fais partie de la famille. C'est trop mignon. des fois, on prenait juste un Airbnb. Et puis en fait tu t'entends très bien avec la personne chez qui tu vis parce que nous c'était souvent une chambre mais tu es chez quelqu'un et puis tu t'entends bien donc tu rajoutes une nuit, deux nuits, trois nuits, 10 nuits et puis en fait tu restes en contact et quand il n'y a plus de place chez la dame elle appelle son ex-mari pour que tu loges chez lui et tu rencontres les enfants et voilà comment tu te retrouves à passer Noël chez les gens et donc en fait tu rencontres comme ça des familles qui sont vraiment le cœur sur la main avec qui tu restes en contact après et on a aussi et je leur passe un coucou s'ils écoutent. En fait, on a une amie du lycée, donc qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant pour nous, qui s'appelle Chloé,
et qui a son, bah, pas son mari, parce qu'ils ne sont pas mariés, mais son petit ami, mais avec qui ils ont un enfant, qui se sont rencontrés en Irlande et qui vivent maintenant en France. Et lui, il est argentin. Et en fait, quand on est parti en voyage, ils nous ont dit, donc nous, on ne l'avait jamais rencontré, lui encore, et ils nous ont dit, ah, bah, si vous voulez, on a de la famille qui habite à Mendoza, au nord de l'Argentine. Donc on a contacté la famille, on a vécu chez la famille, on a rencontré le père, la mère, les oncles et tantes, le frère, la belle-sœur, enfin, toute la famille, et c'est seulement en rentrant en France après le confinement qu'on a rencontré le petit ami de notre copine. Et donc là, l'objectif, c'est bah, d'essayer de les voir quand ils vont repasser en Argentine avec leur enfant, peut-être vers le mois de mars. On aimerait bien les retrouver là-bas et voir la famille bah, avec, avec nos copains en même temps, quoi. C'est ça, c'est un peu l'objectif de la fin de notre voyage. Oui, non, mais ça chauffe le cœur finalement après toute ouais. cette période de confinement d'avoir ce genre de contacts avec les gens. C'est clair. C'est très bien, ça donne envie, même moi, j'ai commencé à me dire, attends, je vais organiser mon voyage pour l'année prochaine. Donc finalement, si on peut retenir quelque chose, il ne faut pas se stresser au niveau de la communication. Oui, ça serait ouais. bien quand même d'apprendre un peu de vocabulaire des bases et une conjugaison, peut-être le présent. Et je vais faire quelque chose, donc le futur proche, mais je vais aller la semaine prochaine à telle ville, ouais. par exemple. Nous, on fait beaucoup ça. Ouais. Voilà. Mais finalement, c'est pas très différent du français. Et mon conseil est de toujours commencer à parler. Enfin, pour parler, il faut parler. Donc, il faut pas se bloquer. Il faut pas hésiter à faire des fautes. Parce que finalement, les personnes qu'on va rencontrer, peut-être qu'on les verra plus jamais. Donc, si on s'est oui, trompé, plus, c'est pas grave. C'est ça. Mais en fait, même si on les revoit vraiment ici, j'ai l'impression que jamais quelqu'un va se moquer de toi parce que tu t'es trompé. Au contraire, ils vont te dire, bah moi, je parle pas du tout français. Donc je ne vais pas me moquer de quelqu'un qui essaye de parler mal. Tu es espagnol, ouais. tout à fait, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Florence. Bah, merci à toi. J'espère que le voyage te va bien. Si vous voulez retrouver Florence, donc, ton compte Instagram, c'est Alors, j'ai deux différents. J'ai un pour le voyage qui s'appelle Back to Pack, tiré du bas, je crois, FR. Oui, je vais les mettre dans la description de l'épisode. Et après, mais l'autre est un peu plus orienté reconversion professionnelle. C'est Avant j'étais prof, tout attaché. Mm-hmm. Et c'est le compte de mon podcast sur lequel j'interviewe des enseignants qui ont osé se reconvertir dans plein de domaines différents. Voilà. Oui, c'est mon coup de cœur des dernières semaines, surtout la série Derrière les sourires des profs. Ouais. Je vous la recommande. Ah, c'est très touchant. Oui, c'était Merci. Très, très touchant. Donc, voilà, vous pouvez trouver Florence. De toute manière, vous avez les liens sur la description. Le compte Instagram de voyage, c'est Back to Pack. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et on se verra, nous deux, sur Instagram ou ailleurs. Peut-être en Amérique latine. Ce serait trop marrant. Oui, 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 mais c'est possible. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Adios. Adios. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progre Español. Si te ha gustado, por favor, déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.